Après une période, une longue période de congé forcé, il est temps de reprendre le chemin du boulot. Pour certains d'entre vous, vous l'avez fait déjà il y a bien longtemps et pour d'autres, vous commencez à peine. Mais aussi, c'est le temps pour les enfants de repartir à l'école. Et donc, je me suis dit qu'une vidéo sur des astuces pour préparer vos snacks, vos goûters, vos déjeuners à l'extérieur, que ce soit pour le sport, au travail ou à l'école, ça pourrait vous intéresser. Donc, si vous vous demandez très souvent comment préparer un dîner, quoi cuisiner, cantine par cantine, école, goûter, snack, cette vidéo, c'est pour vous. Je suis une maman comme vous et je sais de quoi je parle. Souvent, on n'a pas le temps, on ne sait pas quoi manger, les enfants ne mangent pas bien le matin, le chéri n'a pas le bon lunchbox et nous-mêmes, souvent, on va au sport sans dîner ou alors on ne sait pas après ce qu'on va manger. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour bien préparer vos lunchbox, pour gagner du temps, gagner de l'argent parce que vous allez faire des économies, mais surtout pour vous amuser en dégustant de bons petits plats, que vous soyez à l'extérieur ou chez vous. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Carole, je suis une maman et sur ma chaîne, on parle meal prep, on parle ménage, on parle lifestyle en général. Donc, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, partagez à vos voisins, vos cousines, vos cousins, vos tontons, vos tantines, même aux passants. Et je vous dis, c'est parti! L'astuce numéro 1, c'est de préparer vos smoothies à l'avance. Si comme moi vous aimez les smoothies parce que c'est frais le matin et ça apporte plein d'énergie, mais que vous n'avez pas le temps de les faire vous-même, vous pouvez préparer vos crèmes de smoothie à l'avance et les congeler. Vous pouvez découper vos fruits comme d'habitude, vous les mixez et vous faites congeler vos cubes de smoothie. Il vous suffit ensuite de prendre la quantité de cubes nécessaire le jour même, de mettre dans un pot et vous rajouter du lait. Vous pouvez alors emporter votre récipient avec vous et il suffit de quelques minutes seulement pour que les cubes de smoothie se dissolvent et se mélangent au lait. Votre smoothie est prêt et vous pouvez boire en chemin vers votre salle de sport préférée pour aller à l'école ou au travail. Ensuite, nous avons des galettes d'omelette. Trop pressé pour faire cuire un œuf, pas de souci. J'ai la solution pour vous. Vous pouvez préparer une quantité suffisante de galettes d'omelette à l'avance pour toute une semaine, voire plus. Pour cela, il vous suffit de prendre un œuf, de rajouter une pincée de sel, une cuillère à café de fécule de maïs ou alors de la maïzena. Vous battez le tout. Et vous faites cuire vos galettes sur une poêle. C'est aussi simple que ça, c'est facile à faire et vous pouvez faire une quantité suffisante de galettes d'omelette que vous allez congeler et il vous suffit de les ressortir le jour où vous en avez besoin, de les faire griller dans votre grille-pain ou au four et c'est parti. Ça se mange sur le pouce, mais vous pouvez aussi les ranger dans votre boîte pour la pause déjeuner. D'ailleurs, s'agissant de boîtes, moi j'ai ces boîtes bento pour mon lunchbox. C'est mon bento qui fait ces boîtes et franchement, c'est l'idéal pour des lunchbox. Celle-ci, c'est celle que j'ai choisie. Elle est trop belle. C'est les nouveautés de cette marque. C'est vraiment trop mimi, trop joli. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer si ça vous intéresse. Vous avez deux étages, ce qui permet de séparer, par exemple, des aliments pour votre petit déjeuner de ceux pour votre déjeuner. C'est vraiment pratique. En plus, vous avez un petit pot pour les sauces et vous pouvez rajouter un autre petit pot parce qu'ils en ont plusieurs. Pour la dégustation, vous pouvez les manger nature ou alors déposer un carpaccio de légumes au-dessus pour les déguster comme des tortillas. Spend my coin for sure.
C'est l'une de mes astuces de meal prep favorite parce que je sais que je peux avoir l'esprit tranquille et les membres de ma famille ne manqueront pas de protéines grâce à cette astuce. C'est vraiment pratique, vous pouvez emporter ça dans votre sac pour aller au sport, pour aller déjeuner avec des copines ou au travail. Franchement, je vous conseille. L'astuce suivante, c'est aussi l'une de mes préférées et l'idée, c'est simplement de mettre toutes vos salades en pot. Le plus important pour réussir à faire une bonne salade, c'est de bien respecter l'ordre dans le placement de vos aliments. Il suffit de verser la sauce en premier. Ensuite, on rajoute des légumes comme des concombres. Des carottes, des tomates séchées, du maïs doux pour apporter des protéines et des petits pois. Et hop, vous pouvez emporter tout ça dans votre sac. Dès que vous êtes prête à déguster, il suffit de secouer pour bien mélanger. Et c'est parti pour se faire plaisir. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez manger dans vos repos et par les temps qui courent, c'est bien pratique. Une autre astuce, c'est d'utiliser des lunchbox pour séparer vos aliments et pour bien les conserver et éviter de mélanger les goûts. Là, j'ai mon joli morceau de filet de poulet que j'ai fait mariner et cuire au four, comme je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente avec ma sauce barbecue. Il est bien caramélisé, je le découpe en morceaux que je dépose juste au-dessus dans le premier étage. Je rajoute des brocolis. Et ma petite sauce dans la petite boîte. Et en dessous, je mets des fruits. Vous pouvez mettre tout ce qui vous plaît. Et voilà, ma box est prête. Ce qui est génial avec ce système d'étages, c'est que vous pouvez avoir un repas complet dans une seule box et manger différents aliments à différentes heures de la journée ou tout à la fois. Pas besoin de plusieurs contenants et vous pouvez préparer votre box la veille pour l'emporter partout où vous allez. Et voilà un joli bento que vous pouvez transporter avec vous partout où vous voulez. Une autre astuce, c'est de préparer des box de légumes et fruits pour vos snacks à l'avance. Je voulais vous montrer plusieurs options possibles et voici deux manières différentes de préparer vos box pour des snacks.
Dans le premier pot, je dépose un pot de yaourt avec du jus d'orange. Et dans le deuxième pot, une pâte à tartiner au spéculoos. Je rajoute ensuite des brochettes de tomates et mozza dans le premier pot. Et des brochettes de raisins et d'ananas dans le second. Dès que vous êtes prêt pour snacker, il suffit de prendre avec le bout des doigts et vous pouvez savourer en toute simplicité. Une autre astuce, c'est de préparer des recettes à base de nouilles instantanées. C'est l'idéal si vous voulez manger un vrai repas tout en étant à l'extérieur. Mais ça marche aussi pour vos repas à domicile. Dans un pot, je dépose mes nouilles instantanées aux œufs. Vous en trouverez dans les grandes surfaces. Je rajoute des restes de viande hachée à la sauce tomate de la veille. Quelques brocolis, un filet d'huile d'olive, vous pouvez préparer la veille, voire quelques heures à l'avance. Il suffit ensuite de rajouter un peu d'eau chaude. Vous attendez 3 à 5 minutes, on mélange et voilà un petit déjeuner pour toute la famille ou pour vous seulement. Vous pouvez varier les recettes et laisser cours à votre imagination. Voilà quelques astuces de Meal Prep pour faire vos lunchbox dans la semaine. Vous pouvez les emporter partout avec vous, c'est vraiment pratique. J'ai essayé de mettre des choses vraiment pratiques, des choses simples. Avec des pots simples, faciles à trouver. Les miens, en général, je les achète soit chez IKEA, Amazon ou encore chez les Chines. Donc, c'est vraiment pas cher. Et vous avez aussi des box, des bento box comme celui-ci. N'hésitez pas à vous faire plaisir pour sortir, pour aller faire du sport, pour aller au travail ou même pour les enfants. C'est vraiment génial ces astuces. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant là sur le bouton juste en dessous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!